va, j'ai deux façons de nettoyer mes blocs. Alors, premièrement, dans de l'eau savonneuse avec un savon pour laver la vaisselle. Il y en a qui prennent, qui ne prônent que le Dawn, le fameux Dawn qui est bleu en bouteille. Moi, je vois pas de lien directement, là. Je prends un bon savon à vaisselle, même écologique. Ça fonctionne bien. Je laisse tremper un petit peu mes blocs dans de l'eau savonneuse pas trop chaude, mais pas trop froide non plus, là. Plus chaude que tiède. Et puis, je viens essayer d'enlever les traces. Dans le fond, ensuite de ça, si j'ai des blocs pas trop sales, ça fonctionne bien. Mais de toute façon, moi, j'ai l'habitude de les nettoyer. Donc, je nettoie, même s'il reste des petites particules. Je rince bien. Et ensuite, là, c'est pas rincé parce que je suis pas vis-à-vis mon lavabo, mon évier de cuisine. Donc, je rincerai bien et je viens sécher tout simplement. Après ça, je regarde parce que dans le fond, ça enlève toute la saleté, mais parfois, il peut rester des petites traces de colle. Donc, je fais ça avec tous mes blocs. Je nettoie. C'est important de nettoyer toutes les faces, là. Donc, je rince bien en dessous de l'eau claire et je sèche. Celui-là, il n'y a pas nécessairement de traces d'encre ou de colle qui reste. Donc, s'il me reste des traces d'encre, ça m'étonnerait, là, à part si c'est de la Stazone. Oui, je peux peut-être à l'occasion prendre mon nettoyant Stazone, mais les traces de colle, elles sont un petit peu plus tenaces et des fois, ça part pas super bien. Donc, un petit truc, c'est le Goo Gone. Le fabricant ainsi que tous les fabricants pour se protéger disent de tester sur une petite surface avant de tout faire notre nettoyage là. Moi je l'ai testé, j'ai jamais abîmé mes blocs avec, mais je vous incite aussi pour me protéger des fois qu'il arrive quelque chose chez vous. Testez sur un petit coin dans un bloc, nettoyez comme il faut, sécher, puis vous allez voir si ça fait des réactions. Vous avez peut-être un produit concurrent qui n'est pas tout à fait pareil et qui peut faire quelque chose. Voyez-vous, ça part comme un charme, les résidus de colle. Ce qu'on peut faire après ça, c'est venir bien bien sécher. Mais moi, vu que c'est un petit peu, c'est huileux le Goo Gone, j'irai les replonger dans un bon bain d'eau tiède, chaude, savonneuse, pour bien bien enlever ces résidus-là qui peuvent nuire à l'adhérence de nos étampes sur les blocs. Une autre façon que j'ai vue, c'est qu'il y en a qui prennent du savon genre type Purel. Là, j'ai plus mon étiquette, là, mais c'est genre le nettoyant sans eau qui désinfecte qui pour nettoyer leurs blocs. Donc ici, j'ai un bloc qui a des petits résidus d'adhésif. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas trop une fanatique de ce qui est chimique, donc le Purel, j'aime pas très ça. Mais des fois, il y en a qui crient au miracle sur leur bloc. On voit que ça fait une super belle job, mais il reste des petits résidus de colle. Je vais essayer de faire le test là, vraiment au complet, juste avec ce produit-là. Ça s'évapore, bien sûr, il y a de l'alcool là-dedans. Alors, mes traces de colle sont bien parties. Il y a presque l'air d'un œuf. Donc, ça fonctionne aussi. C'est juste que quand on a beaucoup de blocs, moi, j'aime pas ça particulièrement travailler avec quelque chose qui a du chimique dedans. Mais c'est pour vous. Si vous aimez ça, vous pouvez faire un ou l'autre. Et si vous avez des taches tenaces avec le Goo Gone, après avoir fait vos tests, bien sûr, mais moi, il m'est rien arrivé en testant tout ça. Donc, on retient bien. On nettoie jamais avec quelque chose qui est abrasif. Hein, les petites éponges là en plastique verte, rouge ou jaune là, qu'on achète souvent à l'épicerie ou au Dollarama, ça a l'air de rien, mais c'est abrasif. Jamais de SOS, bien sûr. Ce que ça va faire, c'est que ça va rayer, ça va égratigner vos blocs. Et toute égratignure nuit à l'adhérence. Donc, vous pouvez complètement ruiner vos blocs en utilisant quelque chose qui est abrasif.
C'est très, très, très important. Okay? Je connais quelqu'un qui a ruiné tous ses blocs en voulant bien les nettoyer avec un petit tampon à récurer en plastique. Ce serait vraiment, si vous voulez prendre soin au top de vos blocs pour qu'ils vous durent des années et les léguer à vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, c'est vraiment de ranger les blocs, de prendre l'habitude de les ranger dans la valise Stampin' Up. Donc, moi, je l'avais avant, je l'ai vendu parce que je me disais, je vais les mettre dans mon tiroir juste à côté de ma surface de travail. Et ce que je remarque, c'est qu'ils se cognent les uns contre les autres souvent, où je les empile, je fais pas attention. Et oui, même quand ils sont très bien nettoyés, je vois des rayures dessus, des égratignures, et je sais que mes blocs vont rester beaux moins longtemps parce qu'ils n'ont aucune protection, alors qu'avec la valise Stampin' Up, ça serait le cas. Alors voilà, on a bien fait le tour. Vous avez comme deux façons de nettoyer vos blocs et de faire partir les taches d'adhésif qui sont tenaces. Bonne journée!